Hop, 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 hop. Double component carousel. Fine dummy. Ok, au grand prismatique, tous les jours. Bonjour à toutes et à tous. Petite TFT. Petite journée TFT, là. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Est-ce que ça punk chez vous, le chat? Est-ce que ça punk? On est d'accord avec les punks, il faut roll une fois par tour dès le tout début, non? On est d'accord ou pas? Il faut roll direct. Je me demande si Shojin c'est pas bien sur elle. Pas qu'on roll là, hein. Je sais pas si c'est bien Shojin, peut-être pas, hein. Je m'en rends pas compte. TBH. TBH, je m'en rends pas compte. Bon, après, dans 5 minutes, là, le timing est pixel. Non. En vrai. Mais de ouf, ça. De ouf. Bah ouais. Panthéon et Twitch, le chat. Mais je sais pas si c'est la tech, le 4 punk, après. Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être en vrai. Bon, les vibes boudent un peu, hein. Peut-être ça sera Panthéon le tank. Eh, s'il vous plaît, donnez-moi des avis. Même si vous savez pas, donnez-moi des avis, s'il vous plaît. Shojin ou pas? Sinon, c'est Protector Svo. J'arrive pas à savoir si son ulti est bien ou pas. Non, c'est pas Shojin. Ah, mais là, Michel. Tout le monde donne son avis, sauf Michel. Shojin, c'est broken en jungle. Ok. Il dit qu'il voit pas le rapport. Donc là, personne dans le chat sait de quoi il parle. Me manque deux Jinx. C'est pas en te regardant qu'on apprend beaucoup. Attends, what the fuck? Attends, what? Attends, what the fuck? Allez, je fais ça. Violence? Violence faite sur streamer? Kenan Shojin. Quand même bien crack broken. Hein. Vous pensez que je fais streak ou pas? Ce qui était bien avec le fait de stuff vice, c'est que là j'avais mon double travel d'activer maintenant. Après, je peux toujours vendre le Panthéon, c'est pas la fin du monde. Attendez, il m'en manque combien là? J'ai mal vu. Le chat, il m'en manque combien s'il vous plaît? J'ai mal vu là. Et là, il y a quelqu'un qui arrive dans le chat et qui dit: Unid, si tu mets Twitch à la place de Jinx, t'as 4 punk. Ok, Nico va se faire pécho en backline là-bas. Roll pour la streak. Ça me rire comme il est fort lui. Pas très très coordonné le focus là. Ah, ça se gagne en vrai, non? Je sais pas. Et boum, j'ai mal. Attends, il est one of de Lilia lui? Il est one of de Lilia le ref? Ok, j'avais entendu Fresh dire que DB c'était mieux qu'IE sur Jinx. Ok, IE c'est quand même très très bien. Hello Fresh est terminé. Non, c'est en cours. Tu peux faire point d'exclamation Hello Fresh. Mais je suis pas obligé de le mettre dans le titre et je suis pas obligé de l'afficher à l'écran en fait. Mais c'est toujours bien en cours. J'ai perdu ma streak, je suis tellement triste. Bam 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 bam. Le chat, j'ai envie de vendre le Twitch. Je mentirai pas, j'ai envie de vendre le Twitch. Je vais le retrouver. Gardien. Donc pour ceux qui savent pas, donc punk, moi j'ai mis du temps à comprendre, mais en gros l'idée, c'est que tu peux stack à l'infini. Vous voyez ce qui est en bas, c'est écrit Kuren bonus. Tu peux le stack à l'infini, il n'y a pas de limite. Mais le premier roll de chaque tour qui coûte 1
et ben il stack 3%, alors que tous les autres rolls, ils vont seulement stacker 1%. Voilà, donc tous les tours de la game, tu peux lâcher un roll qui coûte 1, et ça stack de 3% l'AD et les PV. Donc c'est quand même vraiment sympa, je pense que je le ferai toute la game. Est-ce que je peux récupérer ton chien si tu es en prison? Dis donc, Isuror, toi t'es là, tu travailles pour une team e-sport à Berlin, tu te la pètes dans le chat, et après pourquoi tu casses les couilles comme ça, frère? Ok, il faut Twitch, hein. J'ai plus de Twitch. On va level up après et on va roll pour Twitch. Soit Twitch, soit... Mais non, mais on peut juste mettre une deuxième vaille, c'est très bien. Ah là là, la win streak que j'ai perdue là. Ah mais il y a Kenobs dans ma game. J'adore Kenobs. Nani. Pas chaud en vrai. Ok, Twitch. Est-ce que c'est pas juste roll et chill? Non, parce que non, j'ai envie de rentrer de bas de trouble. Blues Hydra, merci beaucoup pour le premier sub à la chaîne. Quoi? Comment t'as fait pour t'abonner avec Prime Gaming, s'il te plaît? Je suis sûr, il y a plein de gens dans le chat qui savent pas. Comment t'as fait? Il y a plein de gens, je pense, ils ont des Prime et ils savent pas comment le claquer. Du coup, ils sont dans le chat et ils attendent là, ils font rien. Elle shred Vi, non? Ouais. Mon frère Kenobi, je suis vraiment désolé. Énorme ça. Je slam un runa, non? Bon bah les stacks, non? Attendez. Ok, j'ai 4 rapid fire là. Mais là, il faut vraiment trouver Twitch, hein. Big. Je slam un runa ou pas le chat? Soyez honnête. Ou j'attends pour faire la Whisper. Ou JS. Runan, ça fait... Mais Runan, c'est bien parce qu'elle a beaucoup d'AD en fait. C'est vraiment bien. Hein. Ouais, je pense que c'est bien. Sarveille, salut, comment ça va? Merci beaucoup pour le réabonnement. Pour les oranges en prison, merci. Comment ça, les oranges? Est-ce que vous connaissez le streamer qui casse toutes les streaks de ce lobby? C'est le puissant! Le merveilleux Unid! Il arrive, il casse les streaks comme ça, il casse les streaks, bam, il casse les bouches, ouais, un truc comme ça. Ok, Twitch. Quand je vais avoir Twitch, je vais avoir beaucoup plus d'AD, ça va être très très bien. Tu peux pas me casser autre chose, please? Mais enfin, mais ça va pas, c'est beaucoup trop straightforward ce que tu proposes ici. Il faudrait qu'on ait un gardien aussi. Mais lequel? Le mieux, c'est Thresh. Ouais, mais là, monsieur, t'as rien sur ton board, hein, par contre. Il attend de passer niveau 7 pour commencer à roll, mais bonne chance à toi, mon ref. S'il vous plaît, dans le chat aujourd'hui, je vais vous demander de pas être trop chelou et désagréable, d'accord? Parce que je pense que j'ai pas la tête à ça aujourd'hui. J'ai passé une journée très difficile pour l'instant. Hier, mon pote Michel qui est dans le chat, il m'a fait manger un tacos énorme à 1h du matin. J'ai failli vomir. Mes potes me détestent. Tu l'as fini? Bah oui, je l'ai fini, mais j'ai galéré, hein. J'ai vraiment galéré. Par contre, ici, c'était délicieux. Il était délicieux. Je crois qu'il y avait des haricots rouges dedans, je sais pas quoi. Bah, c'est pas les 8 bières avant le problème. J'ai vraiment pas pris 8 bières, j'ai pris 2 pintes, je vais te calmer. Diffamation. Ça va pas, hein. Ok, Twitch. Ah putain, ça fait Phelios 2. J'ai pas fait exprès. Pardon. Mais il fera pas des kills. Attendez, attendez. C'est mieux que Vi ou pas? Il arrive tellement tôt. Il faut un tour pour qu'il se transforme. Et après, s'il fait des kills, il y a moyen qu'on se fasse des thunes. J'ai envie de vendre ça. J'ai raison ou pas? Parce que Vi, Osef, hein. Je sais vraiment pas si c'est 4 punk la technique. Je sais pas si c'est le mieux. Parce que j'ai bien envie de cut Vi et Twitch quand même. Et de mettre des vrais persos. Où est ton économie? Bah, je suis en win streak, c'est ok. Hein. Donc là, il est sous quelle forme là? Là, il est en Shadow Assassin là. Quand tu gagnes, c'est Shadow Assassin, ouais. Simple. Voilà, j'espère que Kane fera un truc, mais sans stuff, c'est pas sûr. Après, c'est très très tôt dans la partie quoi. Genre tout le stage 4.
Attends, je comprends pas, c'est Bard qui fait ça. C'était Ilaoi le top des cas, d'accord. J'ai failli perdre, hein. Voilà, toi, des VIP à droite du shop et tu rends noir et blanc. Ça me perturbe. Parce que je peux pas l'acheter parce que j'en ai déjà un. C'est la seule raison. Ça doit marcher là pendant le truc. Je me sens vraiment mieux, j'ai un point enlevé de la poitrine. Ah ouais. T'inquiète. Vraiment une saucisse, hein. Est-ce que vous avez entendu une seule personne se plaindre? Je crois vraiment pas. Rapid fire. Elle est ok la cam là, non? Très bien. J'ai eu des sous-sous. J'ai eu des sous-sous. C'est pas 4 rapid fire quand même après. Ah, 4 rapid fire, c'est un peu éclaté, hein. Je pense qu'on va juste mettre des légendaires. Après, je peux garder. Le truc, c'est que Kate, c'est un bon perso. Ah, c'est facile d'avoir 1500 PV. Ah, grâce à Punk, c'est facile. Oh, le chat. J'ai tellement de PV. C'est pas inintéressant, là. Après, je sais pas, 1%. Vas-y. Yorick. Ok, Yorick c'est mieux que Kayn. Kayn il revient au... quand on level up. Yorick c'est gardien et mosher, c'est trop big. Oh, il y a deux Jinx. C'est à cause des augments. J'ai l'augment double trouble. Bon, le chat, aujourd'hui j'ai décidé que j'ai vu que Shones et Fresh avaient déjà cut la musique du jeu. J'ai décidé que j'allais cut la musique du jeu pour la plupart du temps du stream et que peut-être on se la met quand on pose Jean sur le board ou peut-être les deux dernières games du stream, tu vois, un truc comme ça. Mais je pense que ça va trop gaver les gens. Je pense que je la mets de temps en temps. Mais tout le stream, ça fait trop parce que la musique est trop répétitive. Mais de temps en temps, tu vois, parce que la musique est quand même belle. Mais t'as pas envie d'écouter toute la même musique. Moi, je joue à TFT 7-8 heures par jour. Bon, normal que j'ai pas envie d'écouter tout le temps. Et je sais pas, en fait, ça dépend. Si vous êtes sur mon stream que pendant 2 heures, vous avez envie d'écouter la musique du jeu peut-être. Parce que vous regardez du TFT que pendant 2 heures. Mais si vous consommez beaucoup de stream, elle va vous gaver aussi. Donc bon, c'est compliqué. Excellente idée sans rire, et faut pas se lasser alors que le set est même pas sorti. Ouais, non mais c'est sûr, hein. En fait, je pense que la musique, il faut l'utiliser avec parcimonie. Si tu fais que l'écouter parce que tu l'aimes bien, elle va tellement te gaver qu'à un moment tu vas arriver, s'il y a de la musique, tu te casses direct. Alors que si tu l'écoutes de temps en temps pour le kiff, et ben peut-être que tu vas la kiffer tout le set, quoi. Négatron, je suis chaud. J'arrive même pas à croire, j'ai pas monté en 3. Bref, c'est ridicule. Hein. Donc là, le chat, mes punks ont 392 PV et 39% d'AD en plus. Et alors, la Jinx, elle convertit une partie de ses PV en AD et en PV. Non, ça lui fait de l'AD et de la P. Donc c'est 1%. 1% de ses PV max. Donc ça veut dire qu'elle gagne 22 d'AP, 22 d'AD, c'est ça? Ouais, ça a 22. Pas énorme, hein. Mais ça va continuer à scale. C'est fort TF1, très très fort. Moi c'est ce qui se passe sur certains streams, j'adore le streamer mais je supporte plus leur musique comme Gob et le Metal H24, je peux plus malheureusement. Après Gob il met la musique vraiment pas fort, non? Mais moi j'avoue que le metal c'est une de ces musiques, j'ai un peu du mal avec le rap et le metal. Quand c'est vraiment très fort et quand t'aimes pas trop, t'es là, bon ben... Quand j'aurai Lucian, je mettrai peut-être 4 Rapid Fire à méditer. À quand l'accès au multi-piste audio modifiable pour le viewer, ah, j'avoue hein. Ça sera zinzin ça. Ça va arriver un jour, je pense.
putain, c'est Riven 3. Ah ouais, Edge Lord Caitlyn avec un Morello. Oh, les PV de sa team, c'est criminel, hein. Je vais QSS Lucayne. Je pense que QSS c'est pas mal en late game. Il y a beaucoup de CC, je trouve. Why, thank you. 12 mois, let's go. Rinesi, merci beaucoup pour le resub. Merci beaucoup pour les 1 an. Le claque pas, hein. Ça va arriver tout seul. Trust. Kenobi il est 9. Ouais, Kenobi il est 9, il a snowball avec une luxe. Putain, 5 EDM. 44 pour y aller. On attend 2 tours. Ouais, donc les potes, c'est écrit dans le titre, mais demain, il y a un gros tournoi à 16h. C'est 32 joueurs, il y a pas mal de joueurs comme par exemple que vous connaissez comme par exemple Shones. C'est un tournoi organisé par un espagnol qui s'appelle Iguana. Je crois qu'il est espagnol. Et il y a un cash prize, mais je sais pas exactement combien. Ça a vraiment bien m'aider, ça pose. Donc, attendez, j'ai une liste de joueurs. Il y a Ging, I'm So Fresh, Kezoju, Pat Ball, Kevin Parker, Skipaus. Ouais, c'est des BG, quoi. Ça va être un tournoi très sympa. C'est demain à 16h. En vrai, c'est cool. Et tu vois, c'est le genre de petit tournoi sympa que je vais faire avec grand plaisir. Parce que c'est un tournoi plutôt... Enfin, il y a des excellents joueurs, mais il y a aussi des influenceurs. C'est cool. C'est quoi la première augmente nouveau de Double Trouble? Franchement, avec une petite déduction des familles, normalement, tu devrais y arriver. Je pense que tu manques de confiance en toi, en vrai. Parce que tu arrives, tu regardes mon board, tu vois qu'il y a deux Panthéons, deux Jinx. Et en fait, tu manques de confiance en toi parce que tu sais que c'est Double Trouble, mais t'oses pas partir du principe que t'as raison. C'est dommage, en vrai. Moi, je te le dis, t'es une putain de légende, hein. T'es une putain de légende, mon frère. Une petite hoge. Ouais, non, mais c'est une spat punk, ça. Dinguerie. Ok, c'est 40. Bah voilà. C'est exactement ce que je voulais. Est-ce qu'on mettrait pas Executioner, là? Hein? Ah, mais il est... Non, non, non. Il est quoi, lui? Il est Edgelord. Au revoir, Vi. Je pense que Vi est meilleur que Twitch. Et lui, il me plaît pas du tout. Il me plaît pas du tout, lui. Je pense que Kayn est faible, idéalement, c'est peut-être Yorick le porteur. Kiana, je sais pas. Hein. Putain, mon rôle. Paye parole. Ilaoi. Ah bah non. Ça, il est Keblo. Je
Vous pensez que ça rend Lucian Caitlyn ou pas? Oh, le petit Yorick là qui a tabassé. Oh, ne pas chercher le C-Punk, je peux pas. Pour chercher le C-Punk, il faut deux spats. Donc là, les deux... Ouais, mais ce Kane là, il doit partir. Ce Kane, il part et on level up et on met Caitlyn. Un élu punk? Mais c'est... J'ai Jinx 3 en élu, je vais pas la cut quand même. Oh, je l'ai eu. Putain, il m'a farmé lui, j'en avais marre. Est-ce que c'est pas ça en vrai? Pas que le double trouble de Yorick. Ah, mais c'est un double trouble Prisma. Hein. Mais je pense que ça, c'est peu, hein, le rapid fire. Je peux pas vraiment enlever le double trouble de Panthéon non plus. Il y a que Ilaoi que je peux cut, mais bon, c'est une Ilaoi 2. Pas chaud. Yorick 3 angle? Ouais, Yorick 3, clairement. Hein. Je pense qu'on va 10. De toute façon, on fait un rôle par tour et on va 10. Mais ça va être fini avant, non? Ah, là, je perds plus. Bon, c'est trop fort, hein, Jinx. Après, je sais pas, Kenobi, le truc, c'est qu'à la fin de la game, il joue toujours Lux 2 en carry. Ça fait quand même... C'est quand même bizarre. Ah, effectivement, il joue Yorick. Oui. Demande-lui s'il a école demain, on verra bien. Attends, on tente pas Yorick 3 vite fait, là? Avec mon coup de main de Nico... Je peux, hein. Après, j'aurais pu tenter Ilaoi aussi, tu vas me dire. J'aurais pu mettre une deuxième Ilaoi à la place du Lucian aussi. Il est en train de faire Caitlyn 3. Ouais, il me deny Yorick, mais je peux quand même en avoir encore... Attends, il y en a 9 au total, c'est ça? Je peux plus l'avoir du coup? Parce que là, du coup, il y en a 8 sorties du pool et il me semble qu'il y en a plus que 9 maintenant. Ça se gagne, hein. Je me place mal pour gagner du temps. Il y en a 9, hein. Donc ça, je peux plus l'avoir. On met juste Ilaoi over Lucian, je pense. Après, je peux mettre 2 Lucian aussi, peut-être. Et cut Ilaoi. Ah, dès que je me plaçais bien, je le fumais. Let's go. Bon bah Jinx reroll, très très fort. Des augments de combat, Jinx 3 super facilement. Ça va casser les pieds à tout le monde, hein, ce qui vient de se passer. J'ai eu Jinx 3 stage 2 avec une belle économie. Et du coup j'ai crush la game. Et c'est trop facile de faire ça avec toutes les compos one cost.